Au début de janvier 1935, l'armée rouge traversait la rivière Wujiang après 30 jours de bataille contre les forces du Kuomintang. Le plus grand affluent du Yangtze du sud est bordé de falaises. À l'époque, la seule façon de traverser la rivière était le bateau. Et après 80 années de développement, les conditions dans cette région se sont beaucoup améliorées. Elles profitent à l'économie locale. Connecter le passé au présent. Le pont Qingshuihe a ouvert à la circulation fin 2015. Le projet rapproche le district de Weng'an du hub économique voisin et donne un nouvel élan à l'économie locale. À 50 km du pont, des excavatrices travaillent dur pour suivre le mouvement. La production de fertilisants a commencé à Weng'an dans les années 1980. Toutefois, le système de transport était insuffisant pour assurer la croissance de ce secteur. La situation est tout autre désormais, spécialement pour la plus grande usine du district. Avec une meilleure circulation, l'entreprise est florissante. Elle fournit maintenant plusieurs provinces et même des pays étrangers. Le coût logistique de notre entreprise a été réduit de beaucoup depuis la construction de l'autoroute Guiyang-Weng'an. Avant le projet, il était difficile de trouver assez de véhicules. Maintenant, c'est bien différent. Les coûts ont baissé de 10%. Chen Jufu a commencé sa carrière de routier il y a 3 ans. Son camion transporte de l'engrais et voyage dans le sud et l'est de la Chine et même à l'étranger, au Myanmar. C'était extrêmement difficile de conduire sur l'ancienne route, ça prenait 5 à 10 heures pour aller à Guiyang, la capitale de la province. Mais maintenant, ça prend moins d'1 heure. Le pont Qingshuihe a été construit à partir des montagnes de Weng'an, là où l'armée rouge a effectué sa fameuse longue marche. L'endroit a désormais un tout nouveau visage et la région connaît la prospérité économique.